Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une vidéo balle. J'ai reçu aujourd'hui, donc nous sommes mardi 2 août, je crois, donc une enveloppe, c'est pour notre échange de pochette surprise hein, qui est organisé par Tiffany. Créatif, scrapbooking, oh je sais plus, c'est créatif, je sais plus, elle a une chaîne YouTube et un Insta, moi Tiffany. Bon, je suis sûre que vous connaissez. Donc, je n'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert là en faisant attention. Ah. Non, je vais pousser l'enveloppe parce qu'il y a son nom derrière. Donc, ça me vient de Lisa. Malou. Je crois qu'elle n'a pas de chaîne YouTube, mais elle a un Insta. Malou quelque chose. Je ne sais pas si elle a le marque. Bon, je vais vous dire. Donc voilà, je suppose, ouais, sa carte, c'est très joli, et des petits fagnons. Donc c'était une pochette surprise, oh c'est mignon, Adeline, oh, c'est sympa. Sur le thème des fagnons, enfin il fallait, sur le thème été, il fallait dedans mettre tout ce qu'il fallait pour faire 4 fagnons. Et là, elle a mis justement des petits fagnons, c'est sympa, et là des tout petits. La carte est sympa, j'aime bien, c'est joli. Joli, donc je lis. Ouais, j'ai hâte de voir. On a un peu rigolé hein, si je mettais à l'endroit sur les discussions parce que elle n'avait pas compris au début qu'il fallait faire en fait que 4 fagnons. Elle pensait qu'il fallait faire 4 guirlandes, enfin il fallait de quoi faire 4 guirlandes de fagnons. Ouais. Il n'y a pas de raison, tu as appris les couleurs, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur-là. Maloula. Maloula. 0. Je crois que c'est ça. Sur Insta. Donc voilà, sa jolie carte. Bon, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Elle est très jolie. Les couleurs sont très jolies. Le papier est très joli. Donc on ouvre, elle a mis des scratchs comme a fait Tiffany. Ah voilà. Ah mais alors, les scratch. Voilà. Donc voilà. C'est super. Ah oui, alors là, il y a du fagnon. Alors, là, il y a des tout petits fagnons. On va ouvrir ensemble. Donc elle a mis, elle les a entourés de washi. Je vais mettre le washi. Je vais y arriver. Le washi de côté pour servir. Je vais mettre le washi là. Donc là j'ai plein de tout petits fagnons. Ah d'accord, ils sont pliés en deux. Ah, t'as un dice qui fait ça. Sympa. Donc là plein de petits fagnons. Comme ça. Là, plein de petits comme ça. Je vais peut-être pas tous les ouvrir. Si, bon, si, après tout. Où est-ce qu'il s'ouvre le washi? Là. Et donc là, avec tout ce qu'il y a dans la pochette, on doit réussir à faire une guirlande. Alors logiquement, c'était avec 4 fagnons. Mais bon, elle m'en a fait beaucoup plus du coup. Donc là, plein de petits comme ça. Là, des plus gros comme ça. Ils sont jolis ceux-là. J'aime bien. Hop. Mais du coup, j'ai quoi en faire beaucoup plus que 4. Tac, tac, tac. Attends, je vais le coller là. Est-ce que je pourrais le décoller, moi, je pense. Je peux appuyer trop fort. Donc là, plein de petits fagnons qui sont très jolis. Joli celui-là, j'adore. Aussi très très joli. Donc voilà, donc là j'ai du ruban rouge, c'est du, comment on appelle ça, ah oui, là on peut mettre les fagnons dedans et coudre, ah oui, bonne idée. Et moi, puis j'en ai j'ai de quoi faire hein. De la petite ficelle rose, du fil de fer, ça me donne le choix. Là, hop. Là, j'ai des étiquettes ovales et rondes. On va les ouvrir. Ça s'ouvre.
C'est trop sympa comme échange, je trouve. C'est une bonne idée qu'elle a eu, Tiffany, de faire ça comme échange. Je trouve ça sympa. Donc là, des étiquettes rondes, des étiquettes ovales. Je trouve ça super sympa. Toujours dans les mêmes tons. Donc là, des tout petits fanions. C'est pas les mêmes encore. Ils sont plus petits. Ah, j'ai de quoi faire. Donc là, c'est des tout petits. Dans les mêmes. Voilà. Là, hop. Des étiquettes comme ça. Ouais, elles sont jolies. Hein. My day, thanks, hi. C'est très joli. Des cartes comme ça. Là, je suis à l'envers pour vous. Je vous les montre dans l'autre sens peut-être. Très joli. Alors j'ai aidé à son double, mais non. Derrière, c'est du papier uni. Voilà. Des fanions plus grands. Et bien, mon ami, plusieurs. Normalement, je crois que c'était 4. Regardez, ils sont dans les deux couleurs. Les d'autres. Il est beau celui-là, j'aime bien. C'est le même papier que là. Ouais. Très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, les fanions, tout ça. J'en ai un. Donc, après, je vais essayer de faire ça. Et là, donc du coup, des embellissements. Donc, alors, hop, je vais essayer de pousser un petit peu tout ça. Ça en fait, hein. C'est pas mal comme challenge, je trouve, de, après réussir à faire un truc avec tout ça. Voilà. Et là, donc, j'ai plein de choses. Alors, on va tout sortir. Alors, j'ai des die-cut fleurs qui sont superbes. Je sais pas c'est quoi comme collection, mais c'est trop beau. Il y en a plein. Ils sont trop beaux. Là, j'ai une découpe cannelle et citron, ça. Petit lapin, j'aime beaucoup. Là, il y a des en carton, là. Des, oh, des chipboards. Chipboards. Là, une petite, des petites fleurs. Un tag, des fleurs. Il y en a beaucoup. Hein. Des mots. Encore du chipboard. Ah, il y en a tellement. Oh, tout ce qu'elle m'a mis, j'ai pas mis autant de choses. Hein. Chipboard encore. Les fleurs. Moi qui adore les fleurs, je suis gâtée. Ça, c'est un autocollant. On dirait comme ça, mais c'est un autocollant. Encore des fleurs, des fleurs. Ça, c'est encore une découpe de cannelle et citron. Des fleurs, des fleurs. Un chipboard. Hop. Des oiseaux. Ils sont trop beaux. Des petits mots. Encore des fleurs, des fleurs. Ça, c'est un petit autocollant aussi. Étiquette. Et là, plein de chipboards, d'autocollants, de... Oh, c'est trop génial. Voilà, hop. Chipboard, encore, fleurs, chipboard. Des enamel dots de la même couleur, trop sympa. Un petit mot, j'aime beaucoup. Et il y en a encore. Quand il n'y en a plus. Ah bah, je vois que ça doit être la marque. Enfin, la marque. La collection, là, il y a des choses, ça doit être Endless Summer Déco Park, je pense. Tac, tac, là, il y en a plus, il y en a encore. Hop. Ah mince. Venez là. Là, ils sont trop beaux là. Et en brillant comme ça. Je sais pas si c'est toi qui les as fait. Ils sont trop beaux. J'aime beaucoup. Là, encore des chipboards. Des petits chipboards insectes. J'adore. Hop, hop, hop. Le petit sac, je vais le mettre là. Des mots. Encore des enamel dots. J'adore ça, les enamel dots. Je crois que je t'en ai pas mis. Oh, ils sont beaux. Ah non, c'est pas des achetés, ça. C'est que t'as fait. C'est pas fait, je veux dire. Ils sont trop beaux, ceux-là. Là. Ils sont sublimes. J'adore. Chipboard. Encore des enamel dots. Étiquette. Chipboard.
machine bowl. Des petites. Hop. Hop. Et des chipboards. Oh, autocollants. Chipboard. Et ben voilà. Et ben écoute, merci beaucoup. C'est trop joli. Et donc, ça, je vous l'ai dit, c'est la collection. Ah, Canal et Citron. Et ben écoute, Lisa, merci beaucoup. C'est waouh. Maintenant, plus qu'à faire mes 5. Non, 4 fanions. C'était 4 ou 5, j'ai un doute maintenant. 4, je crois. Donc, je vais faire mes 4 fanions avec tout ça. Et du coup, elle m'a fait. Je vais pouvoir rajouter des petites galantes de fanions en plus. C'est sympa. Donc, ben écoutez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je pense que ça sera la vidéo pour créer bah justement ces fanions. On va essayer de le faire en vidéo peut-être. Ou alors je vous montrerai. Je le fais hors vidéo et je vous montre. Ouais, peut-être. Je verrai. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, encore merci Lisa. Merci Tiffany pour l'organisation de cet échange. Je trouve super sympa. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis bah, à plus tard dans une prochaine vidéo. Je vais aller regarder encore tout ça. Voilà, voilà. Allez, au revoir.